Le son. Sœurs et frères bien-aimés dans le Christ, bonjour. En ce jeudi saint, un double événement nous rassemble en cette enceinte sacrée. La célébration de l'institution du sacerdoce par le Christ, prêtre de la nouvelle alliance, pour perpétuer sa mission ici-bas. Ensuite, la participation à l'action de l'Église locale autour de notre archevêque, Monseigneur Max Leroy Mésidor, qui, entouré de son presbytérium, bénira les saintes huiles et consacrera le Saint-Crème. Au cours de cette cérémonie, les prêtres renouvelleront leurs promesses sacerdotales et, avec elles, le choix radical d'une vie entièrement donnée au Seigneur et au service du peuple de Dieu. Par l'annonce de la bonne nouvelle du Christ, la célébration des sacrements, la fidélité aux engagements attachés à leur ministère. Cette célébration qui débute par une procession d'entrée nous rappelle que nous sommes un peuple de prêtres, de rois et de prophètes. Dans ce contexte sociopolitique et sécuritaire totalement dégradé, nous sommes venus entourés de notre prière, accompagnés de nos sentiments de gratitude, nos prêtres appelés, comme nous tous, à la sainteté en répandant partout la bonne odeur du Christ. Frem axemio. L'évangile jodia fait nous méditer sous mission Christ là, qui c'est mission toute paix au tout. Potez bonne nouvelle l'évangile là, by pauvre. Si là yo qui mettez confiance yo, non bon Dieu seulement. Annoncez délivrance pour tout le monde qui est en tribulation. Pendant la célébration, on demande à Jésus, force l'esprit bon comprendre, force et courage pour mon Seigneur nous, paye et diacre, de quoi pour nous, celle et lumière réellement vraie, tout côté au passé. On demande mon Dieu tout. La paix joue une place ouvrée. Peuple de Dieu, unissons nos voix pour magnifier le Seigneur. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur tous les réseaux catholiques à l'intérieur de la paroisse Alta Gracia de Delma où nous allons célébrer notre foi. Je ne suis pas seul, moi pas pour moi, moi avec Iseli. Paul, à qui la vie Paul fait, nous c'est par notre baptême, nous nous trouvons, nous c'est père, nous c'est prophète et nous c'est roi. Iseli, bonjour, bonne fête. Bonjour le Père, éternote et fidèle catholique et surtout bonne fête à tous baptisés. Jean le Père se dit là, actuellement nous avons la paroisse Notre-Dame d'Alta Gracia, ensemble nous fêter la messe. On dit la messe, c'est une des plus gros bagailles que nous sommes capables de gagner dans la vie de chrétien. Normalement, messe aujourd'hui, il y a un double événement là-dedans.
Nous dit jeudi, c'est jeudi saint. Toute semaine, c'est semaine. Mais semaine ça, elle est la grande semaine. La semaine spéciale. Et c'est peut-être ça, nous, la semaine ça, il y a une signature là-dedans. Qui est le saint. Qui commence avec le dimanche des rameaux, qui c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et puis nous passer par la retraite pascale. Et il faut nous tous dire, il y a une retraite pascale, un tridium pascal. C'est deux bagailles différentes. Nous allons déterminer pour nous après. Retraite pascale, ça nous vit lundi, mardi et mercredi saint. Et puis, notre dîner du jour, c'est la messe chrismale et Zéni. Exactement. Et dans la messe chrismale, là, nous allons suivre que Père et évêque alors, à bien pour bénir l'huile sainte et consacrer l'huile suprême. Et puis l'huile suprême, c'est une huile qui est faite avec olive et baume. Et c'est tout simplement évêque la table qui peut consacrer l'huile, ça non pas béni. Effectivement, nous dit tout, nous les messes, ça, mais la messe chrismale, c'est purement et simplement parce que c'est la messe des huiles. Et l'huile sécrème, nous dit chrisma, et à partir de chrisma, eh bien, mais ça a pour tenir la bénédiction et la consécration de l'huile sécrème. Et bien, dans la célébration, ça, déjà qu'on aime, c'est l'évêque du diocèse qui prend le président de l'Eucharistie, l'archevêque métropolitain de Port-au-Prince, son excellence Monseigneur Max Leroy Mésidor. Toute paix accompagnée, Monseigneur. Mais on nous dit déjà, et pour cérémonie, c'est Père Jean-Julien Ladouceur, qui lui-même a coordonné la célébration. Et puis, Gagnon et toi, le Père tout. Nous avons Père Anaël qui est attaché avec évêque, Père Dominique Régis lui-même qui est attaché avec prêtre. Et puis, nous gagnons tout et Père Mildo qui lui-même accompagne, capable d'accompagner et lecteur. Mais nous déjà dit, nous avons ça, c'est la pile. Nous dit, c'est la consécration du Saint-Crème. Donc, pour nous mettre ça, il y a un Père Thomas qui est un jésuite et qui s'est aumônié dans Saint-Louis Gonzague. C'est au même côté, et bien vase qui gagne l'huile et pour catéchisme. C'est l'huile catéchisme. Puis nous gagnons Père Gilbert Pelt qui lui-même c'est on dit rédemptoriste. Et puis gagne tout. Père Jean-Marie Louis, qui lui-même c'est recteur UNDH, lui-même pour apporter pour l'huile catéchumène la de couleur verte, c'est-à-dire et voile qui a couvert le vase là, la de couleur verte, pour l'huile malade la de couleur violette, et puis l'huile Saint-Crème non, c'est et Père Salomon avec et a gagné et vase là qui a recouvert avec linge et voile de couleur blanche. A noter que ça m'a pas ajouté l'octamor, je dis à couleur liturgique là, c'est blanc. Et puis deux plus gros bagailles qui a gagné dans la messe, c'est bénédiction avec consécration l'huile et puis renouvellement des sacerdotes prêtres. Effectivement, dans la messe ça, c'est la donne plus que évêque là, lui-même c'est, excusez-moi, c'est lui-même qui est premier chef n'importe où. Donc, n'a dit tout. Excusez-moi, n'a dit tout archevêque là, il est en même temps président de la conférence épiscopale d'Haïti. Vous voyez le monseigneur Max Leroy Mésidor, eh bien, si paye autour de lui, eh bien, il va le faire renouvellement des promesses sacerdotales. Et puis, a gagné tout et bénédiction des huiles et consécration synchrone. Et déjà, le temps, bon, c'est le temps pour nous dire tout le monde, déjà bonne fête et surtout bonne célébration et pas débrancher sur la radio. Effectivement, on a dit rapidement, le frère Vimic, c'est Isaïe 61, versets 1 à 9, Psaume 88, Apocalypse de Saint-Jean, chapitre 1er, versets 5 à 8, et puis Luc 4, versets 16 à 21. Enfin, c'est la chorale métropolitaine qui nous a animé. Et quand ici, la bonne participation.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Sœurs et frères bien-aimés, en ce jour de l'Eucharistie et du sacerdoce, je suis heureux d'être avec vous pour présider au nom du Christ, le prêtre parfait, la Sainte Eucharistie. Merci d'avoir répondu à l'invitation du Seigneur. Merci tout le monde d'être ce que nous là. Demandons au Seigneur de répandre sur chacun de nous l'abondance de sa grâce et de sa paix. Demandons au Seigneur de répandre sur les ministres ordonnés, les prêtres, les évêques, l'Esprit Saint, pour que leur ministère porte du fruit. Préparons-nous à la célébration du Saint-Mystère en reconnaissant humblement que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
ciel la créa. Gloria pour bon Dieu. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l'Esprit Saint et qui l'a établi Christ et Seigneur, nous te prions. Puisque tu nous as consacrés en lui, fais que nous soyons pour le monde les témoins d'un évangile de salut. Oh Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles et leur donner l'huile de la joie. Cette invitation à la joie et à l'espérance se retrouve dans tous les textes de la liturgie de ce jour qui nous parle de ceux qui ont reçu l'onction. Le serviteur de Dieu chez Isaïe, le roi David dans le psaume et Jésus notre Seigneur dans l'évangile. Onction que yo recevoir, c'est pour pauvres yo, ça qui pipiti yo, prisonniers yo, malades yo, peuple bon Dieu que y a servi. Écoutons attentivement ces lectures extraites du livre du prophète Isaïe, chapitre 61, versets 1 à 9, le psaume 88, l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 1, versets 5 à 8, l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 4, versets 16 à 21. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, dans Sion, mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira servante de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec
vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur. Mon Seigneur, sans fin je le chante. Autrefois, tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, je le sacrerai avec lui le saint. Pour toujours avec lui, mon bras fortifiera son corps, mon amour et ma fidélité sont avec lui, mon amour accroît sa vigueur. Ton amour, je le chante. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu. Sans fin, je lui garderai mon amour, mon alliance avec lui. Sois fidèle, ton amour, Seigneur, je le chante, je le chante. Faveur pour nous à qui poser soutenant Jésus-Christ, qui témoin fidèle là. Premier petit parmi moi, à chef royaux qui sous terre, lui-même qui remet nous, qui lave nous soutenant péché nous dans sang là, qui fait nous vine tourner rein à prêtre pour bon Dieu papa. Compliment pour lui à autorité pour tout temps gintan. Amen. Mais l'ap vini avec Niajio, tout jè apwèl, même ça qui te pique lio, toute race sous terre a plein sous lit. Oui, amen. C'est moi-même Alpha et Omega, commencement et finissement, déclaration grand maître là, lui-même qui l'a, qui te l'a, cap vini, lui-même qui gagne tout pouvoir. Parole, grand maître là.
l'homme est là avec nous tous. Lis-tu l'évangile qui saignons d'après Luc. Laissa Jésus river Nazareth, côté où te fait l'éducation lia, li entré d'après habitude li, jour sabbat, non synagogue là. Et puis l'élevait pour l'île. Yo remet l'île prophète Isaïa. Et puis l'île ouvre l'île là. Les joints côté qui t'écria, l'esprit grand maître là sous moi, c'est pour ça l'issacré, pour m'porter bonne nouvelle là. Bye povio, li voye m'breche pardon pour prisonnier yo, ak limye pour avec yo. Envoye sa yap krasé yo, non liberté, prêchez yon année, grand maître là, fais grâce. Et puis, li plie livre là, li remet servant li, li chita. J'ai tout moun, non synagogue là, t'es fixé sur lui, lui commence à dire, Jodia, écris-tu ça, accompli, nos oreilles nous. On nous fait louange à compliment pour parole grand maître là.
dans le sacerdoce ministériel. Chers frères et sœurs, dans le sacerdoce baptismal, peuple aimé de Dieu, naviguant entre les écueils, sans conduire par l'Esprit du Père et du Fils, notre communauté diocésaine célèbre ce matin la messe chrismale croix, le chemin de l'humiliation avant de participer avec lui à la gloire. Elle emprunte les mots du psalmiste pour exprimer sa confiance. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra mon secours? Mon secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Qu'il te préserve des faux pas, qu'il te garde sans relâche. Lui qui garde Israël sans dormir, il te gardera. Il restera à tes côtés comme une ombre protectrice. Sœurs et frères, le jeudi saint est le jour de la naissance de l'Eucharistie. Il est aussi l'anniversaire de notre sacerdoce baptismal et ministériel. Nous célébrons cet événement dans un sentiment de grande gratitude, en reconnaissant que notre sacerdoce est don de Dieu selon les paroles du Christ. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur. C'est moi qui vous ai choisi et vous ai établi pour que vous alliez et portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Au centre de la liturgie de ce matin se trouve la bénédiction des huiles. L'huile est le symbole de l'Esprit Saint, et en même temps elle renvoie au Christ. Le mot Christ signifie oint, O-I-N-T, c'est-à-dire consacré. Okay. Et dans l'évangile du jour, Jésus reprend les paroles du prophète Isaïe. L'Esprit sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a oint. Nous qui sommes unis au Christ, nous sommes remplis, personne marquée par personnes qui appartiennent au Christ. Toi, écumène, comme l'explique le pape Benoît XVI, dont je m'inspire dans cette homélie, lui, une première manière d'être touché par le Christ. Par cette onction qui est faite avant le baptême, notre regard se tourne vers Dieu. L'huile des catéchumènes exprime une réalité à ne jamais oublier, frères et sœurs. Cette réalité, la voici. Ce ne sont pas seulement les humains qui cherchent Dieu. Dieu lui-même s'est mis à notre recherche en se faisant homme en Jésus-Christ. Et en partageant notre condition humaine en tout, ce n'est pas seulement nous-mêmes, ce n'est pas d'abord nous-mêmes qui avons cherché mon Dieu. Cherchez-nous. En premier, c'est l'église. L'œil tourne monde. Et dans Jésus-Christ, il vient chercher nous toutes à notre recherche. Est-ce que bon Dieu a cherché où? Est-ce qu'on voulait pour le joindre nous? Est-ce qu'on voulait pour le voulait faire route avec lui?
C'est ça l'unité humaine, on veut dire. Mon cap chercher bon Dieu avant de baptiser, mais bon Dieu a le chercher en premier. Ensuite, il y a l'huile pour l'onction des malades qui souffrent, les affamés, les villages, des incendies. Nous avons devant les yeux les malades. Espérances. Nous avons devant les yeux les persécutés, les nous avons devant les yeux un pile monde qui a souffri et nous-mêmes nous avons souffri. Monde qui a souffri, c'est eux-mêmes. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé annoncer aux captifs. Est une tâche primordiale confiée par Jésus à l'Église. Il parcourait les routes du pays en guérissant. Guérir le cœur blessé des humains, c'est aussi la mission de l'Église. Guérir le cœur blessé des humains, l'Église essaie de le faire. Dans la limite de ses possibilités, à travers les hôpitaux, les dispensaires, les cliniques mobiles, les ateliers et sessions de psychologie. Elle le fait aussi dans les sacrements, particulièrement le sacrement de la réconciliation, dans l'écoute attentive des personnes, dans l'accompagnement spirituel. Et fondamental advient dans la qui nous réconcilie avec Dieu et guérit notre cœur brisé. C'est l'occasion de tous ceux et celles qui, en vertu de leur foi et de leur amour, se mettent aux côtés des souffrants. Témoignage de la propre bonté de Dieu. Merci, Peyo. Merci, Freyo. Merci, cher Seyo. Nous-mêmes qui dans l'hôpital, qui dans dispensaire. Merci, tout docteur, infirmier, infirmière, auxiliaire, femme sage, membre petit personnel. Qu'a prend soin maladio. Nous pas toujours joindre compréhension. Nous pas toujours joindre reconnaissance. Malgré tout, n'a continué servir tout côté dans tout quartier. Institution l'église là a continué ouvrir pour tout monde, que ce soit l'école l'église là gagne. Que ce soit université, que ce soit dispensaire, l'hôpital, que ce soit cantine, que l'église a gagné, il y a continué à ouvrir pour tout le monde. C'est mission, bon Dieu, ben nous. Bon Dieu, vous voyez pour nous servir, nous servir jusqu'à ce que nous tournions à joindre bon Dieu. Mais travail, l'église, bon Dieu. En toi, noble des huiles ecclésiales, le crème, un mélange d'huile, d'olive et de parfums végétaux. C'est l'huile de l'onction sacerdotale et l'onction royale. On l'utilise pour faire l'Esprit Saint, à savoir le baptême, la confirmation. Le baptême et la confirmation sur l'entrée dans le peuple saint, dans la nation sainte, dans le peuple de Dieu qui embrasse le monde entier, ou même qui l'église l'a sous Paco baptisé
pas prendre temps. Dans l'église, mon Dieu. La plus grande dignité que nous avons dans l'église là, c'est la dignité baptismale. C'est dans le baptême là où vient paix pour fête avec Jésus. Et monde qui prend le baptisé, dans le Pascal là, dit bon Dieu, merci en pile, ni ou même fidèle en plus. Quand entrer dans l'église là, c'est quelques bras en plus. Mais surtout, parce que mon Dieu a le cherché pour élargir le peuple. M'encouragez-nous, mon qui gagne mon lacayou qui peut vous baptiser, parlez-vous de baptême. Non, baptême, c'est la porte d'entrée dans l'église. Et dans le baptême, non, mon Dieu, marquez-nous pour nous capables rendre visible que sensible sous terre. Le Seigneur nous a oint, il nous a marqué de son amour. Il a posé son Esprit Saint sur nous pour que nous soyons son sanctuaire dans le monde et pour le monde, pour que nous soyons des exemples lumineux de foi et d'espérance. C'est toi l'huile saillou, tout à l'heure, nous prenons béni. Mais liturgiquement, nous dit bénédiction de l'huile des catéchumènes, bénédiction de l'huile des malades, et on dit consécration du Saint-Crème. Et ça fait troisième, nous allons prendre plus de temps, parce que c'est lui-même qui est plus noble, plus grand dans l'huile l'église là, le Saint-Crème. Frères et sœurs bien-aimés, permettez que je m'adresse maintenant au prêtre. Chers confrères dans le ministère sacerdotal, le jeudi saint est la fête de tout le peuple des baptisés. Mais il l'est de façon particulière pour nous. Le jeudi saint est notre jour, car à l'heure de la dernière scène, le Seigneur a institué le sacerdoce du Nouveau Testament. Consacre-les dans la vérité, a-t-il demandé au Père pour les apôtres et pour les prêtres de tous les temps. Jean chapitre 17. Verset 17, consacre-les dans la vérité. Nous avons été oints avec le Saint-Crème, dont l'une des significations est la joie, l'allégresse. Pas n'importe quelle joie. Il s'agit de la joie qui nous vient du Christ. Peut cohabiter avec la souffrance. Elle nous donne la capacité de souffrir. Dans la souffrance, de rester ferme, lucide et compatissant. La joie qui vient du Christ nous donne la capacité de partager la souffrance de l'autre, de partager la souffrance de notre peuple. Par là, nous rendons perceptible la lumière et la bonté de Dieu. Votre courage. Et je vous exprime ma gratitude pour le précieux service d'accompagnement du peuple de Dieu durant son long calvaire. Merci, Père. Là. À peuple là. Le gars de monde qui m'a dit qui ça l'église fait dans situation ça, première réponse moi bail moi dit payo meyo frèyo yo rete yo là en pile courage donc. Merci pour effort n'a fait, merci de l'évangile. Maintenant la communion et la solidarité dans le presbytérium. Maintenant, la communion et la solidarité avec les religieux et les religieuses. La solidarité avec fidèles, avec voisins, avec les gens qui sont quartier. Souffrance là. Quelle solidarité avec tout le monde qui travaille pour améliorer la situation du peuple noir. Moi, comptez sur nous. Et à l'exemple du
cœur cette parole d'espérance. Consolez, consolez mon peuple. Père, doué moun kap bay l'espérance, kap bay force, kap soutenir l'autre. Rappelez tout le monde que bon Dieu remet nous. Rappelez tout le monde que miséricorde bon Dieu a l'exprimé à travers la proximité, l'affection et soutien que un pile frère et sœur manifesté dans moment de détresse, dans moment affliction. Remercier tout le monde sous paroisse nous qui accueille au monde dans moment difficile ça. Remercier tout le monde qui partage un petit pain, un verre de l'eau avec monde qui est obligé de quitter caillou. Encourager solidarité à parce que un peuple qui unit. Et à souhait, on a chanté dans la messe la scène, Ubi caritas et amor Deo. Côté de la charité, là, bon Dieu. Frère mio, se mio. Je vais citer pièce moun pour oublier l'autre. Maintenant, comme dans les yeux, je vais pile moun nan nou mou la, je vais citer non là, pour ça y a fait. Comme travail l'église là. Dans quartier difficile, ça a fait à moun qui blessé, moun qui prend balle, yo là, yo campé, yo répond, merci en pile, paix, mais laïc kap fait travail ça. Ça l'en font comme, m'a le cité là, mais nous connaît, ça m'a de nous. Merci. Continue travail pour bon Dieu. Qui là, nous-mêmes qui l'autre côté, nous qui t'avons venir, peut-être que la situation fait pas la matin. Hein? Nous-mêmes qui t'avons célébré mes chrismes à la Tigouave avant hier pour toute la zone sud de l'archidiocèse avec Monseigneur Romelus, frère mieux, sœur mieux, avec un pilote. Ma voix dit nous, qu'un BFM. La prière une pour l'autre, la prière pour le peuple là, qui besoin de chercher la vie, qui besoin d'acheter de manger, médicaments. La prière, puis au cas quitter le vivre, puis au quitter peuple à sortir, puis au quitter peuple ça à faire activité, puis au quitter peuple ça à épanouir, parce que c'est ça, bon Dieu m'a dit. Tant que bon là-haut, nous quitter, regarde Jésus touché nous, nous-mêmes qui chef dans le pays, nous-mêmes qui révoltons. Quel que soit côté nous, tant prie, quittez Jésus gado, j'en te gardé bon là où on se croit. Quittez le gars Jésus a touché cœur pour changer. Remets Jésus a pour nous toutes. Remets Jésus a pour tout le monde net. Souffrance pour tout le monde. Et résurrection pour tout le monde. Si nous acceptons de changer et suivre lui. Monde qui a gros âme. Baissez yo, t'en prie. Quittez petit bon Dieu vive. Au nom bon Dieu, la vie a. Nous mandons ça. Quittez Jésus garder nous dans la semaine sainte ça. Comme ça, nous sommes capables d'entrer un jour avec lui dans le paradis. Après nous finissons et préparer le paradis sous terre d'Haïti. Frères et sœurs bien-aimés, prions avec foi au cours du triduum pascal. Que le Seigneur fasse lever sur nous un jour de lumière et de paix. Qu'il nous fasse sortir vainqueurs du mal, de la violence et de tout péché. Que le Seigneur oriente nos pas. Qu'il éclaire nos chemins. Qu'il nous protège et nous garde sous l'abri de sa miséricorde. Amen. Merci.
Pendant l'année jeudi, on a donné bénédiction avec consécration, huile sacrée, et puis l'été profité et remercier toute laïque, toute baptisée et surtout Père qui, malgré moment difficile, ont toujours été disponible et disposé dans toute paroisse. Et surtout, l'été prend le temps pour lui, encore une fois, prêcher l'amour, prêcher solidarité, parce que dans le moment ça, c'est ça nos besoins. Et moi souhaitez-nous bonne continuité dans la messe là. En cette fête du sacerdoce, sacerdoce épiscopal relatif aux évêques, sacerdoce ministériel pour ce qui est des prêtres, sacerdoce baptismal commun aux fidèles, nous qui sommes de la grande famille des enfants de Dieu, nous voulons souhaiter bonne fête à notre archevêque, Monseigneur Max Leroy Mésidore. Bonne fête également à tous les prêtres, particulièrement à Monseigneur Pierre-André Pierre et au Père Jules Campion, Jean-Calix Hilaire et Antoine Roger Pierre, qui célèbrent leurs 45 ans de sacerdoce, à Mgr Jean-Théodule Daumont et Père Chancy Guerlain, qui célèbrent leurs 35 ans de sacerdoce, et au Père Frisner Jean-François, Alain Michel, Franz Price et Frisner Valsin, qui célèbrent leurs 25 ans de sacerdoce. Payons-la pour collaborer avec trois qualités service. Yo gagné pour yo enseigner, gouverner et puis sanctifier. Pour payons continuer à marcher sur route sagesse, faut que toujours été disponible non service bon Dieu. Payo pral renouveler engagement yo te prend jou ordination yo pour yo rester fidèle non service Christ là pendant y a répondre quelques questions mon Seigneur pral poser yo. Yo besoin grâce bon Dieu ak la prière fidèle yo. On nous suive en silence dans la prière. M'a commencé moi-même par renouveler engagement, promesse moi devant bon Dieu grand maître là, et après ça c'est payé. Frères et sœurs bien-aimés, devant vous, je renouvelle l'engagement que j'ai pris le jour où j'ai été consacré. Je m'engage à rester fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée, à annoncer l'évangile sans relâche, à garder l'intégrité du dépôt de la foi, dans l'obéissance au successeur de Pierre,
et dans la communion de tous les évêques pour l'édification de l'Église. Je m'engage avec les prêtres et les diacres à prendre soin du peuple de Dieu, à être attentif aux pauvres et aux malheureux, à ramener dans la maison. Amis auditeurs, amis internautes. En cet anniversaire du jour où le Christ fit partager son sacerdoce à ses apôtres et à chacun d'entre nous, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris? Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même, en étant fidèle aux engagements attachés à la charge ministérielle que vous avez reçue par amour du Christ et pour le service de son Église au jour de votre ordination sacerdotale? Oui, voulez-vous être les fidèles intendants des mystères de Dieu par l'Eucharistie et les autres célébrations liturgiques et annoncer fidèlement la parole de Dieu à la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, avec désintéressement et charité? Et vous, mes frères et sœurs, priez pour vos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ, souverain prêtre, et vous conduisent à lui, l'unique source du salut. Priez aussi pour votre évêque, que je sois moi-même fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée, que je sache mieux tenir au milieu de vous la place du Christ, qui est prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Que le Seigneur nous garde les uns et les autres dans son amour, qu'il conduise lui-même les pasteurs et leur peuple jusqu'à la vie éternelle. Amen. Possession des huiles et qui va les réaliser. Il y a un père et Anaël avec un père Ladichère dans la table qui prépare tout ça avec des récipients pour accueillir vase qui va rien de l'huile et que ils mettaient devant l'autel là et sous et parti ça. Et bien, on s'est pas rien pour lui bénir l'huile et catéchumène avec l'huile malade là. Et puis, la prêt rien pour lui consacrer
l'huile Saint-Crème. Et devant table là, il y a une belle gerbe de fleurs. Eh bien, et la douceur avec un permis déroué. Eh bien, et eux-mêmes, ils ont déposé devant, eh bien, table qui pourra recevoir l'huile. Il n'y a pas oublié, et dans la célébration, ça a gagné. Et quatre cérémonières, c'est Père la douceur qui lui-même a coordonné la célébration. Et puis, il y a un Père Mick Déroué qui surtout accompagnait les lecteurs. Et puis, Père Anaël, les accompagné évêque là. Et puis, il y a un Père, Dominique Régis, qui lui-même a accompagné et Père Yo. Et là, Frère Axem Yo, nous arrivons dans un moment qui est important dans la cérémonie aujourd'hui. Côté Monseigneur, pour bénir d'abord l'huile maladio, après ça, la bénir l'huile catéchumène. L'huile maladio fera le servir pour célébrer sacrement maladio. C'est symbole la vie avec force l'Esprit Saint. Nous baillons, souffrions, dans le corps, dans l'homme et dans l'esprit. L'Église pour grand monde qui a préparé pour recevoir sacrement baptême. Il fait moun sa yo vin pi diam dans la foi yo pour yo ka lutter contre péché pendant y a purifié cœur yo pour yo toujours bien disposé faire ça qui bien. Quant à l'huile Saint-Crème non, lui-même qui c'est yo mélange l'huile d'olive avec une lotion parfumée, une lotion qui sentit bon. Monseigneur Max Leroy pourra le consacrer. L'huile Saint-Crème, non, c'est présence l'Esprit Saint et symbole cœur content. C'est lui qui servit pour baptême, confirmation, ordination, consécration l'église avec l'autel pour faire la messe. Grâce à l'huile Saint-Crème, chrétiens ont participé dans la condition roi, prêtre et prophète Christ là, et puis ils ont marqué avec l'Esprit Saint dans yo. Pour la prière consécration, Péo qui l'a pral entouré Monseigneur Max Leroy, qui pral invité tout peuple bon Dieu à pour yo la prière tout. Nan mitan la prière pour consécration, Péo a gen pour yo longe meyo tout, ensemble avec Monseigneur, sous l'huile Saint-Crème là. Péo a fait ça en silence. Frem Axem Yo, on suit moment ça avec un pile attention à recueillement. Donc là, les amis auditeurs et les amis internautes, c'est la procession des huiles qui a été faite. Déjà, nous avons gagné et Père et Dominique Régis, qui lui-même a accompagné Péio, mais derrière de lui, gagné deux amis qui ont porté l'huile malade, qui a gagné et chasu de la violette sur eux-mêmes, et puisque c'est malade. Et puis, vase qui gagne l'huile et malade là, et qui pral bénir, et bien, il y a avec un linge ou un voile qui couvre lui. Et puis, on dit, c'est Père Gilbert Peltreau, qui est rédemptoriste, qui lui-même, avec Père Jean-Marie Louis, qui a pépoté l'huile et malade Silla.
maintenant, les amis auditeurs, c'est eh bien, et Père, et c'est Père et Mick Adéoé qui a avancé. Et pendant que Mick Adéoé a avancé, eh bien, et deux amis qui ont même apporté vase qui gagnait l'huile catéchumène. Et qui c'est le révérend Père Laurent-Émilien Pierre, qui c'est un Père Montfortin, et puis et Père l'huile Thomas. Des malades. Oui, et puis il y a Père Thomas, qui c'est un Père jésuite, qui lui-même va apporter l'huile catéchumène. Et présentement, Père Peltro, avec Père Jean-Marie, et deux. De Père Anaël, il a déposé l'huile catéchumène de l'huile malade là, dans la place li, côté pour Monseigneur Al Benelli. Et on dit qu'il est trouvé à droite, et bien table, et qui est devant l'autel là. Voici l'huile des catéchumènes. Même mouvement, Père Naël, Cap Aidé, Père Laurent avec Père Thomas, eh bien, mettez, eh bien, t'as dit. Et l'huile catéchumène maintenant n'a place qui est réservée pour lui. Et puis au milieu, il va recevoir l'huile et Saint-Crème côté possession. Et Saint-Crème a avancé. Père Jean-Julien La Douceur et qui est devant. Et puis et Père on dit, Salomon et qui lui-même c'est vicaire n'a pas voir Saint-Clair dans petite place Caso. Et puis Monseigneur Serge Abessadik, qui lui-même c'est curé Sainte-Thérèse de Pétionville, et il est même capable d'avancer avec l'huile Saint-Crème là. Voici l'huile du Saint-Crème. Et voilà, et entre-temps, Monseigneur qui lui-même déjà est campé pour placer devant un table à côté, et bien le Saint-Crème lui-même a peut déposer lui, et puis qui lui-même a déjà béni et deux premiers lieux qui c'est l'huile malade avec l'huile catéchumène. Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif
à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint Consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne par ta bénédiction l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale. Que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, et pour Monseigneur béni l'huile Saint-Crément, eh bien, Père Naël t'a découvert, et Vazla qui est l'huile là, et qu'on y a là, pour l'huile catéchumène, non? Et Père Naël pourra découvrir et Vaz qui est l'huile catéchumène, non? Et Monseigneur pourra bénir lui-même tout. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple. Tu veilles sur lui et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile. Accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. Recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Monseigneur qui a préparé les pour lui consacrer et l'huile et Saint-Crément. Et pas oublier, n'a pas rappelé où, les messes chrismales, et c'est à partir de consécration de l'huile Saint-Crément, et on dit, sorti du latin chrisma, sorti dans Christ là lui-même, c'est l'huile et qui pour lui-même et on nous dit pour bénir et le consacrer l'autel et pour ordination et père évêque et puis et on dit pour consacrer et nous dit l'autel nous dit l'église et comme ça donc voilà les amis auditeurs et les amis internautes et puis gagner et un frère et de l'institution chrétienne qui lui-même portait de l'huile qui pourra la mélanger avec Saint-Crément qui c'est l'huile d'olive avec l'huile Saint-Bonan et nous dirait les baumes et Monseigneur pour consécration hein, il pourra d'abord mélanger et puis il pourra souffler sur l'huile sérieux et puis il pourra faire gros la prière consécration l'huile là lui-même.
Voilà, Monseigneur, qui mélangeait l'huile d'olive là avec l'huile qui pourrait servir pour 5 crèmes là. Et là, la mélanger avec un matériel qui était préparé pour ça. Maintenant, ils vont le faire premier là. Prions tous ensemble notre Dieu, le Père Tout-Puissant, de bénir cette huile parfumée et de la sanctifier, afin que tous ceux et celles qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut. Dieu, de qui viennent toute croissance et tout progrès spirituel, accueille avec bonté le joyeux hommage de gratitude que ton Église t'offre par nos voix. C'est toi qui, au commencement, as voulu que la terre produise des arbres fruitiers. Ainsi est né l'olivier parmi toutes les plantes dont les fruits allaient procurer la bonne huile qui servirait à faire le saint crème. C'est ainsi que David, entrevoyant sous l'inspiration prophétique les sacrements de ta grâce, a chanté que cette huile ferait briller de joie notre visage. Et lorsque le monde expiait ses péchés sous les eaux du déluge, une colombe, portant un rameau d'olivier, signe de tes bienfaits à venir, annonça le retour de la paix sur la terre. Tout cela se réalise en ces temps qui sont les derniers. Les eaux du baptême effacent nos péchés et l'onction d'huile donne à nos visages la joie et la sérénité. De même, lorsque tu prescrivis à Moïse d'ordonner au sacerdoce à Aaron, son frère, tu lui demandas de le purifier par l'eau avant qu'il le consacre par l'onction de ce parfum. Mais il y eut plus encore, lorsque ton fils Jésus-Christ, notre Seigneur, exigea d'être baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain. Alors le Saint-Esprit fut envoyé sur lui à la ressemblance d'une colombe. Et tu affirmas par la voix qui se fit entendre que Jésus est ton Fils unique en qui tu as mis tout ton amour. Tu montrais ainsi d'une manière éclatante que se réalisait la prophétie de David. Il sera consacré d'une huile d'allégresse au-dessus de tous ses compagnons. Oh, si nous t'en supplions, Seigneur, sanctifie et bénis cette huile. Et par la puissance de ton Christ, à qui elle emprunte le nom de saint crème, pénètre là de la foi de l'Esprit Saint, dont tu as imprégné pour ton service, prêtre, roi, prophètes et martyrs. Fais que cette huile destinée à l'onction devienne pour ceux qui vont renaître par l'eau du baptême le signe sacramentel du chrétien parfait.
que chaque baptisé imprégné de l'onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répande la bonne odeur d'une vie pure. En recevant la dignité de roi, de prêtre et de prophète, qu'ils soient tous revêtus de la grâce incorruptible. Pour ceux qui renaîtront de l'eau et de l'esprit, que ce parfum soit le crème du salut, qui les fasse participer à la vie divine et communier à la gloire du ciel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Voilà, amis auditeurs, amis internautes, et c'est là yo qui vive la messe chrismale depuis paroisse Alta Grâce à Nandelma pour montrer importance et l'huile Saint-Crème n'a gagné dans la ville église là. Le et bien monseigneur fait consacrer l'huile là, il recouvrit avec un tapis spécial et avant on mettait couvercle sous lit et puis pour mettre voile sous lit qui lui-même il y a une sorte de talatane, on est en tuile en balayant, c'est pour montrer comme une robe de mariée. Donc voilà, et c'est comme ça, et voile ça lui-même lié sous l'huile Saint-Crème là. Donc voilà, amis auditeurs, amis internautes, frères et sœurs, c'est parti ça et pour la consécration des huiles. Et après, nous allons entrer directement dans la deuxième partie de la messe là, qui c'est les mêmes, et on a dit la présentation des dons, et c'est-à-dire ça, la présentation des dons. Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que la puissance de ce sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, nous débarrasse de tout vieillissement, qu'elle renouvelle en nous la vie et nous apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle, et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église. C'est lui, le Christ, qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui, dans son amour fraternel, est dévoué au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins à donner leur vie pour ta gloire et le salut du monde. Au Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant.
l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifie toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, soit présenté à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer ce que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit, tu t'as pral trahi Jésus, li prend payant, li dit ou merci, li béni, li cassé le bail partisan, li dit manger la dans l'entour, réellement vrai, ça c'est comme moi. Ma baille pour nous. Même j'entoure le yo fin manger. C'est ça qui plaît pour nous à coup pour pardonner péché. Fais ça. Songez-moi. Il est grand le mystère de la foi. Pensons à moi, Seigneur Jésus. Nous sauve de sa glorieuse résurrection et de son ascension en action de grâce, ce sacrifice vivant. Garde-nous en priant l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux, et nous assure de ton secours. Par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et de la terre dans la foi. Écoute en ta bonté les prières de ta famille. Ceux qui ont quitté ce monde et trouvé grâce d'être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour les. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce. Par lui, avec lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, Saint-Esprit.
unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Rendu fort dans les épreuves, nous qui attendons que... Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je te paie et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui visais ici, fête de l'amour. Frères et sœurs bien-aimés, voici l'agneau de Dieu, invité au repas des noces de l'agneau. Seigneur,
Thank you.
Prions le Seigneur. Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui les attire vers le Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Frère Semyon, grand merci pour présence nous. Dans un moment difficile à vivre, mais la foi nous faut célébrer la semaine sainte, c'est semaine sainte, Triduum Pascal, qui a ouvert à Soya. Et je dis à matin, faites-la commencer avec la messe chrismale, la bénédiction des huiles, la fête du sacerdoce, la fête de l'Eucharistie. Et dans la paroisse, dans la communauté, nous avons continué à célébration. Anessa, exceptionnellement, l'Église la permet de faire quelques bagailles parce que la situation est difficile. Par exemple, messe la Seine, Pita, on est capable de commencer à 4 heures. Habituellement, c'est un peu plus tard, mais dans le contexte, on dit qu'on a commencé à 4 heures. Même Jean-Tou, ça n'a pas jamais fait pour veiller Pascal, fait à 4 heures de l'après-midi. Mais Anessa, vu le contexte, là, il y a deux paroisses qui m'ont dit si on a fait à 4 heures. Bon, on a fait à 4 heures. L'important, c'est que nous chantons pour bon Dieu. Son paroisse, pas qu'à faire veiller Pascal là, tout pas de problème. Dimanche Pâques, la bénissière Pascal là, dans le commencement, mais cela, la bénissière Pascal là, et puis, mais ça continue dans le dimanche là. Donc, son pas qu'à faire veiller Pascal, pas un problème, on fait célébrer le dimanche de Pâques. Mais exceptionnellement, on est capable de faire veiller Pascal là, 4h30, 5h, parce que ce contexte là, qui est un petit peu la cause ça. Nous avons souhaité nous tous un bon Triduum Pascal et nous avons encouragé nous célébrer la foi nous vivement dans le bon Dieu grand maître nous. Alors, nous avons un peu de pile et nous avons un qui premier à l'honneur dans la fête Jodia, c'est Péo. Et parmi Péo, j'ai entendu qu'il a fêté 25 ans. En pile, il n'est pas là. Nous comprenons ça. Mais dans la paroisse, nous connaissons. Père Fritzner, Jean-François, qui est dans la paroisse Butte-Boyer, il a 25 ans. Père Alain Michel, qui est Sainte-Anne, 25 ans. Père Price, qui est Fontamara, 25 ans. Père Fritzner Valsin, lui-même qui est à l'étranger, il a 25 ans depuis au Père. N'a pas dit Père ça, bonne fête. Gagné qui commençait. Qui grand monde en père qui a 35 ans monseigneur Théodule Domont pas qu'à là père Gaël Chancy on croit c'est celle jubilé qui là père Gaël Chancy font petit campé il a 35 ans père comme mon cap dit monseigneur qui l'âge il était père s'il a 35 ans pour le jeune comme ça 35 ans père. Il y a un père qui a 45 ans depuis le père qui t'a ordonné en 79. Je me souviens de ça, moi j'étais dans la seconde. Et j'ai ordination ça dans Port-au-Prince, Père Jules Campion. Père Campion. Ah, nous sommes Père Campion en ville. T'as prié pour lui dans Bois-Neuf. C'était les quatre qui t'ont ordonné les ça pour Port-au-Prince. Père Campion, Père Jean-Calix Hilaire, qui curé Santo. Nous avons Monseigneur Pierre-André Pierre, qui travaille Brooklyn. Et Père Antoine Roger Pierre, qui curé Thomasin. Nous avons 45 ans, Père. Nous avons Père là, qui a quelques mois. Je t'apprends de nous citer. N'a quelques mois. N'a qui t'a ordonné en janvier, ton autre jour, mais bonne fête, tonton. Alors, c'est fête Payo, et Payo répond. Alors, tout le qu'il a, on s'est campé. Pour nous dire bon Dieu, merci. Et pour le peuple, là, de nous merci. Tout le Payo. Merci, mes frères.
Merci. 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 Jeudi Saint, c'est sacerdoce ministériel, prêtre, évêque, c'est sacerdoce baptismal, tout fidèle. Et parmi baptisés, nous peut baptiser là. Nous avons des monde qui consacré pour bon Dieu qui mettre là. Alors, Père, vous la matin, mais Père, vous pas venir pour continuer. Vous avez pile mec qui dit, il faut vous déplacer. Chers soeurs, font petit camper. Mes soeurs, merci d'être là. Merci, mes soeurs. Même si vous n'avez pas un grand nombre, vous avez quelques frères qui là. Vous avez quelqu'un qui est en possession. Chers frères, vont se camper nous. Nous pas aussi nombreux que mais ah frère l'ami là. Frère l'ami sauver la mise. Merci. Gen moun ki nan route pour vinn paix. Qu'a préparé matin, qu'a garder cœur, qu'a dit mais qui l'aime m'a pla. Qui moun sa yo? Séminaristes, vont se camper nous, séminaristes. En grand nombre. Merci, chers amis. Dans le peuple baptisé, il est noble, il est fidèle, qui est là en grand nombre, mais qui t'aime commencer par respect comme la caillou, tout peuple baptisé fidèle. Merci de ce que nous l'avons pas le temps. Fidèle, l'autre paroisse qui t'est tenu pour venir là matin. Fonce camper. Et merci. Merci. Merci que dans ce nom-là, et continuez à faire la foi en femme. Mais parmi tout le monde, il y a des gens qui beaucoup véritablement dans le peuple de baptisé. C'est-à-dire, c'est baptisé moins cas. Samedi, il y a baptisé pour pas des catéchumènes. Les gens qui sont catéchumènes qui parlent pour baptiser samedi, font un petit campé. Vous comprenez quel est le catéchumène là? Ah! Merci! L'église a content accueilli nous et tout ça pas qu'à venir nous saluer. Parfois on invite les monde qui pourrait le confirmer tout pour venir mais allez ça bon vu que l'église là c'est pas la cathédrale, il n'y a pas grand pile en pile place et puis dans le contexte là on va insister pour monde qui pourrait le confirmer venir. Peut-être qu'il y a quelques monde qui là qui pourrait le confirmer. Si il y a monde qui pourrait le confirmer qui là font petit camper. Ah oui, il y a quelques-uns devant. Ah, merci d'être là. Nous vous présentons tout confirmé. Frère Axemio, nous tous là, merci à nous tous. Et pour liturgie à fête, il y a des gens qui coordonnent, il y a les cérémonières, Père La Douceur, Père Anaël, Père Dominique Régis, Père Mick Dewey, qui est là avec nous, il y a quatre là. En vrai, célébration, ça a fait, il y a préparé, il y a répété. Avec monde qui fait lecture, qui fait commentaire, chorale qui chante, enfin un cœur qui servit, tout le monde qui prépare, tout le monde qui attend liturgie, qui prépare pour messe à te réaliser, chorale et nous toutes, merci, merci en pile et bravo. Un merci particulier à Père Brière, coordonnateur chorale métropolitaine, à musicien et la chorale métropolitaine qui habituellement animé et messe chrismale là pour nous. De merci. Tout groupe qui l'a, qui fait accueil, qui fait service, merci. Et Alta Grâce toujours bien dans ça, accueillir tout le monde. Père Francky, continue comme ça, continue Kembe FM pour paroisse, ça a toujours été très accueillant. Même Jean à toute notre paroisse. Dernier mot, c'est Père Yo, encore une fois, bonne fête. Kembe FM a fidèle Yo dans paroisse. Rete proche et puis rete kembe communion entre nous, communion avec l'évêque. Et m'espérer que bientôt, je vais dire les évêques, parce que je ne peux pas quitter mon compte tout le temps. Kembe communion avec nous tout entre nous pour travailler là, capable de faire. Parce que nous ne pouvons pas travailler pour compte, pas un homme orchestre dans l'église. Une équipe, une communion, une communauté. Merci, nous tous. Et déjà, bon tridouan Pascal, bonne fête de Pâques, que le Christ, lui-même qui souffre, qui mourit, mais qui ressuscité,
aidez-nous, soutenez-nous dans la souffrance, non, pour nous capables de ressusciter avec lui, pour Haïti capable de ressusciter. Merci et bonne fête. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. C'est nanon tout confrère payo. Et nanon nous toutes. Moi, contemplant la parole. Pour moi, saluer présence pasteur nous, papa nous, archevêque nous, qui l'a avec nous. Son Excellence, Monseigneur Max Leroy, Mésidore. Monseigneur, nous voulons dire bonne fête du sacerdoce ministériel. Nous voulons dire merci pour ça, représenter pour nous, pour ça, oyer pour nous. Nous voulons renouveler, remettre nos gagnants dans le cœur pour nous. Renouveler l'engagement nous pour nos travail, pour nous collaborer ensemble avec vous. Nous assurons, Monseigneur, de prier nous. C'est pour bon Dieu continuer à veiller sur vous. C'est pour le bénir, pour le continuer à bénir, pour le continuer à bénir le ministère. Bonne fête. Frère Maxime, aux bénédictions, moi prêt à le banon, hein. Ma banon nan non pam. Ma banon tout nan non deux confrères. Ma banon nan non mon sœur Pierre-André Dumas. Moi t'ai parlé avec elle avant-hier. Après prendre ni assez bien. Bon Dieu a aidé elle. Elle dit me saluer fidèle yo. Béni au poli. Ma banon tout nan non Monseigneur Romelus. Monseigneur Romelus, c'est émérite. Il n'est pas trop jeune. Si m'a dit non l'âge, il nous a saisi. Mais Monseigneur Romelus, je vous prête pour aider. Tout père qui est dans la zone Carrefour, Léogan, Tigouave, Grangouave, Pacavine là, depuis 2 ans, je planifie pour avoir une messe chrismal dans la zone le mardi saint. Et Monseigneur Romelus, mardi, qui te fait messe la Tigouave pour toute la zone sud là, tu as 33 paix qui te là, et avec un pile fidèle, mais ça te fait Tigouave. Même Monseigneur Romelus, il finit faire messe là, matin, il a fait messe chrismal en Savo pour Monseigneur Dumas qui va là. Et Monseigneur Romelus, il quitte tête neuf là, oui déjà. Et dans 90 ans après aller, l'hôpital pour aller faire messe la caille. Monseigneur Romelus, félicitations et merci. Le Seigneur soit avec vous. Que le nom du Seigneur soit béni. Notre secours dans le nom du Seigneur. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Allez dans la paix du Christ. Allez dire à tous les hommes, le temps est déjà commencé et je dis à Éternel, nous tenons paroisse Notre-Dame d'Altagrâce, côté nous t'as suivre la messe chrismale là et la messe silla. Il y a un jour spécial là, puisque il y a deux grosses célébrations pour jeudi saint, mais l'une pas semble à l'autre. D'abord, on nous dit c'est la messe chrismale. La fête du sacerdoce et là côté eh bien Monseigneur Max Leroy Mésidor lui bénit l'huile catéchumène avec l'huile des malades là et puis lui consacrer l'huile Saint Crème là. N'a noté pour les auditeurs avec internautes nous yo téléspectateurs nous yo eh bien dans la messe ça mis à part Monseigneur Max lui-même qui tape président de l'Eucharistie là, mais ces deux qu'on célébrant immédiat, c'est le vicaire général de notre archidiocèse, Monseigneur Francky Désir, et puis le vicaire épiscopal pour le clergé, et nous voulons parler de Monseigneur Chancy, et Guerlain Chancy, et puis tu as gagné environ quatre cérémonières, tu as gagné Père Jean-Julien Ladouceur qui lui-même, et ces cérémonies, ce qui est coordonné, célébration ça. Et puis et Père Anaël Bonhomme, il était accompagné Monseigneur Leroy. Et puis Père Dominique Régis, il accompagné Père Yo, Père Midewe Valère, il était accompagné Lecteur Yo. On nous dit, Zami Tepote l'huile yo. Eh bien, pour l'huile catéchumène, maintenant c'était Père Laurent Émilien Pierre avec Père Thomas. Pour l'huile malade là, c'était Père Peltro avec Père Jean-Marie. Et puis l'huile Saint-Crème et Père Salomon avec Monseigneur Chadic. Il y a divers confrères partout qui a célébré des événements importants dans la vie, des événements d'ordination que nous disons toutes heureux anniversaire, particulièrement au révérend Père Chancy qui lui a fait célébrer anniversaire d'ordination. Ça c'est le dernier. Pas oublier, je te dis, je dis, il y a deux gros événements. C'est la messe des huiles, l'autre événement, Isely. C'est la messe de la dernière scène, côté nous sommes capables de suivre, à gagner dépouillement de l'hôtel et puis à gagner première communion tout pour les gens qui peuvent co-communier du tout. En fait, on dit que c'est une plus belle messe que l'église catholique a gagné, l'Octamol.
Effectivement, on nous dit pour la messe de la dernière scène, il y a plusieurs étapes là dans le lit. D'abord, c'est la messe qui a fait normalement. La fête normalement. Mais après, en dans la messe là, il y a gagné côté qui gagne première communion, gagné tout, il y a gagné rénovation de communion. Ça n'est pas une rénovation de mon créole là. C'est ça n'est les monde qui a levé la communion. Yo. Et puis dans la messe ça tout a gagné rythme lavement des pieds même Jésus lui-même t'a fait ça au cours de la dernière scène quand elle t'a institué l'Eucharistie et puis après messe ça pral gagner le dépouillement de l'autel qui s'annonce le dépouillement de l'autel et il pral retirer toute nappe d'autel et l'église pral être vide pral pas gagne fleur là-dedans il pas gagne rien et demain c'est pour le vendredi saint, il y a un exercice chemin de la croix. Et puis, de l'exercice chemin de la croix, nous allons gagner la vénération de la croix. Donc, dans l'exercice chemin de la croix, le pape gagne la communion. Dans la veillée et dans la vénération de la croix, il y a gagné la communion. Mais seulement, le pape gagne la consécration. Ce sera la vénération de la croix pour le vendredi saint. Et puis, samedi de l'eau bénite, c'est pour la veillée pascale. Et nous veillons Pascal là, après avoir gagné un baptême. C'est différent ça qui gagne entre la messe de la Seine et la veillée Pascal. Sinon, la messe de la Seine, non, c'est la première communion isolée. Mais nous veillons Pascal là, après avoir gagné un baptême. Et puis qui va déboucher sur la résurrection du Seigneur dimanche Pâques isolée. Donc, c'est vraiment une semaine pleine, une semaine qui est forte. Et que on moun ta doué vivre. Et pour que tout ta pour moun vivre ce maintenant, puisque on est quand même et au jeudi saint, et ou ka chèche kote on paye, ou confesse Iseli. Et l'octamar m'a tout simplement ajouté à cause de situation insécurité à qui vraiment pécaire. Exceptionnellement, la messe a fait à 4h. La messe de la dernière scène jeudi a fait une plus forte paroisse à 4h. Et puis, veillez Pascal là qui compte commencer très tard dans la nuit. Malheureusement, Anessa a commencé à 4h. Et nous invitons toutes fidèles qui sont capables de venir participer dans la messe avec prêtre parce que nous sommes force l'église là. L'église c'est nous et nous c'est l'église. Effectivement, et puis nous invitons et fidèles nous, eh bien, soutenir paroisse. Parce que dans un moment difficile, ça y a paroisse plus que besoin. Coup de main, nous, générosité, nous, et accompagnement, nous disons tout, nous chaque merci. Prenons profiter, saluer Aïdé Joseph Télémac, nous disons un gros merci pour ce geste-là, Aïdé. Nous saluons toute plateforme catholique là, qui permet eh bien, de vivre la foi à travers tout réseau, médias, ça y a. Nous tous, nous sommes seuls dans l'église là. Merci, Jélie. Merci, amis auditeurs, téléspectateurs et internautes. Merci à tous les techniciens, quel que soit les médias qu'on y a. Et puis nous casser rendez-vous plus tard dans l'autre célébration que nous avons, la messe de la dernière scène.